Yeah, Charlie King. C'est ton boy Matt Houston. On est back dans le 6041 Gosselin. Voilà. Donc merci à Charleroi de nous me réaccueillir. Et puis on va se préparer pour le show. Big up ton boy H Houston Matteo de Guada 971. Peace. Bah écoute, là je viens d'arriver, bon de toute façon il y a l'air d'avoir vachement de monde quand même, donc je crois que ça fait plusieurs saisons déjà que ça se fait, l'énergie ne part, donc ça a l'air d'être gigantesque, je crois qu'ils attendent 50 000 personnes, un truc comme ça, donc c'est un plaisir, hein. C'est un kiff, hein, tu vois, donc de chanter devant autant de personnes et surtout à Charleroi. Bah j'ai voulu tout simplement me faire plaisir. Reprendre des titres que j'aimais sans vraiment réfléchir à ce que je faisais. J'ai toujours eu, on va dire, des titres caribéens, en fait, communautaires sur mes albums. On va dire qu'à l'époque, je mettais le R&B en avant. Et aujourd'hui, je fais l'inverse, en fait. Donc, je mets d'abord la communauté en avant et le R&B reste sur mon album. C'est pour ça qu'il s'appelle Racine, justement. Voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Racine, voilà. Là pour l'instant on est en tournée jusqu'en mars, tu vois, donc tous les week-ends, hein, par Mons et par Vaux, voilà, on fait un peu le tour du monde, quoi, tu vois, et la musique nous a fait voyager, donc merci au Saint-Père et on est très content, tu vois. Croyez en vos rêves, en vos passions, parce qu'aujourd'hui on est dans une période de crise où il faut aller à l'école, c'est important de faire des études, mais c'est pas non plus la seule issue, on peut aussi avoir des passions, on peut aussi y croire très fort, et je pense que voilà, faut juste croire en ce qu'on fait, avoir la foi et jamais baisser les bras et être patient surtout, c'est important d'être patient, voilà.